Bienvenue dans notre musée itinérant à la gloire de Jean-Sébastien Ruisseau. Monsieur Ruisseau est un musicien né en 1685 et mort en 1750. En France, nous l'appelons Jean-Sébastien Bach, mais il est allemand. En allemand, Bach ne veut rien dire, Bach veut dire ruisseau, d'où notre petit musée itinérant à la gloire de Monsieur Ruisseau. Nous sillonnons les routes du monde pour présenter quelques objets lui ayant appartenu ou ayant appartenu à ses enfants. Le café est très à la mode à l'époque de Monsieur Ruisseau et il écrira d'ailleurs une célèbre cantate, la cantate du café. C'est l'histoire d'une jeune femme qui exige de son futur époux qu'il s'engage par écrit à lui laisser boire autant de café qu'elle le souhaite, sinon elle ne l'épouse pas. La nuit dans la maison très vaste et très blanche avec une lumière dans chacune, les fenêtres se répètent. Et sur les grappes, renouvellement des grains et sur les grains de la lumière. Marcher vers le juste et le bien. Lutter pour le bien, le juste et le droit. Conquérir le bien, le juste et le vrai. Tes larmes muettes en ton sourire, ô mon amour, tes sanglots, tes éclats de rire, ô mon amour, la répétition de ton rire aux dents blanches éblouissantes. Un matin d'automne dans la vigne, rang par rang, nœud par nœud, les cèpes, les grappes, sur les grappes les grains, sur les grains la lumière. Et dans la lumière, mon cœur. Le miracle du renouvellement, mon amour, c'est la non-répétition de la répétition.